Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Mes faits accomplis. Tu ferais bien de monter. Hermione va râler si t'es en retard. Les gens ne soutiennent les tornades que depuis leur victoire en championnat. Allons à la salle commune. Mieux vaut éviter de faire attendre Hermione. Oh, tu as fait une découverte, Harry. Mimi, j'ai trouvé quelque chose. C'est la définition d'une découverte. Il y a des objets à découvrir un peu partout dans Poudlard. Tu devrais les chercher. Tu vas voir qu'on va trouver une autre chambre des secrets. Pleine d'araignées cette fois. Pas des araignées, des objets spéciaux et extrêmement rares. Tu veux dire qu'il y a vraiment une autre chambre? Pas une chambre, plutôt une salle. Je l'ai trouvée en me cachant dans les tuyaux. Chaque fois que quelqu'un fait une découverte, des objets secrets et extraordinaires y apparaissent. Super, elle est où cette salle des récompenses? Mais bien sûr, demandons à Mimi. Mimi nous dira tout. Eh bien, c'est un secret. Il faudra la trouver vous-même. Oh, les jeunes, les jeunes. Oh je... Salut. C'était si calme. Tu veux jouer aux échecs avec moi maintenant? Échec et mat. Répulsion. Non, mais vraiment. Voilà Neville. Ne pointe pas ta baguette sur moi. On dirait qu'il a des ennuis. Pointe ta baguette sur eux. Hé hey. Je le dirai à mon père. Potter piqué, Potter piqué. Ça va? Comment vas-tu? Tu peux venir voir le professeur Rogue avec moi? Il a dit qu'il serait dans sa classe, au cas où on voudrait réviser les questions. Rangez vos baguettes. Brevet universel de sorcellerie élémentaire. Buse! Travaillez dur et vous serez récompensé. Si vous échouez, les conséquences pourraient être dramatiques.
Rien n'est indiqué au sujet de l'utilisation des sorts de défense. L'utilisation des sorts? Je ne vois pas pourquoi vous utiliseriez des sortilèges de défense. Je sais pas trop. Peut-être parce que Voldemort est de retour. C'est un mensonge. Je ne mens pas. Je l'ai vu. Je l'ai affronté. Retenu, Monsieur Potter. Ce soir, dans mon bureau. Bien. Tout le monde au premier chapitre. Principe de base à l'usage des débutants. Passionnant. Ne pas pratiquer les sorts en année de buse? C'est incroyable! Alors c'est ça qui t'énerve, alors qu'un professeur m'a traité de menteur devant tout le monde. On pourrait demander à Fred et George. Ils ont déjà suivi les cours de défense de 5e année. Fred et George? Ils ne savent que s'amuser, pas faire de la magie. Peut-être, mais on n'a rien à perdre à essayer, non? Allons les voir. Regarde ta carte, on les trouvera dessus. Tu me prêtes ta plume? J'ai cassé la mienne pour la troisième fois. Ouais, pourquoi pas? Il me manque trois cartes. Ils sont là. Bonjour les préfets. Vous venez nous surveiller? Nous demander quoi, Harry? C'est Ombrage. Elle refuse de nous enseigner la pratique des sorts de défense contre les forces du mal. On sait. Donc tu veux notre aide? T'en penses quoi, George? Je crois qu'avec ces débutants, il faut reprendre les bases. Sortez vos baguettes! Alors, un bon ennemi est un ennemi sans baguette. Montre-nous, George. Avec plaisir, Fred. Bon, soyez attentifs. Expelliarmus! Superbe, George. On croirait presque que tu écoutes en classe. Bon, à ton tour de lancer, Harry. Expelliarmus! Bon, montre ça aux deux autres. Ça y est, t'as compris? Excellent! Expelliarmus! Bon, Expelliarmus, c'est fait. Mais pour ôter le sourire de la bouche d'un serpentard, rien de mieux qu'un bon vieux stupéfix, comme Fred va le démontrer. Stupéfix! Pas mal. Bon, à ton tour de lancer, Harry. Imagine que je suis Malfoy. Stupéfix! Excellent! Bon, montre ça aux deux autres. Tu cherches tes ennemis, Potter? Bonsoir, Monsieur Potter. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui, pour avoir dit la vérité. C'est moi qui décide de ce qui est vrai. Je ne dois pas dire de mensonge. Qu'est-ce que tu as sur la main? Je croyais qu'Ombrage te donnait des lignes. Parlons-en, Hermione. Elle saura sûrement comment soigner ta main. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Mes faits accomplis. Il y a un passage derrière un des portraits qui se trouve au deuxième étage du grand escalier. Tu apprécierais qu'on soigne ta blessure? Bonjour. Vous gardez un passage secret? Tiens, tiens, un esprit curieux. Votre déduction est exacte.
Je défends en effet un tel passage, mais je ne permets qu'à ceux qui ont l'esprit vif d'y entrer. Vous parlez d'un test ? En effet. Je veux que vous m'aidiez dans mes recherches. Vous devez trouver un élève de Serdaigle de première année et découvrir d'où venait Rowena Serdaigle. Une tâche simple, mais néanmoins instructive. Encore en pleine aventure. Tu te crois assez fort, hein, Potter? Tu n'as aucune chance. Échec. 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 Échec et mat. Ah, être jeune à nouveau. Rowena Serdaigle venait des sommets. Excellent. Je maintiens ma confiance en la maison de Serdaigle. Je dirais que vos efforts méritent un haut pour optimal. Le passage vous est ouvert. Dorénavant, dites simplement « succès studieux ». Succès studieux. Un esprit curieux est un esprit sain. Qu'il me faut est quelque part par ici. Ouais, ça me dirait bien de t'affronter aux échecs. Mais n'oublie pas que je suis l'une des meilleures joueuses de Poudlard.
échec. 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 Échec et mat. Bravo, tu as fabuleusement bien joué. Ah non, il y a...